Chères internotatrices et chers internotateurs, amateurs de conquête spatiale, bienvenue dans cette Trictrac TV où nous allons jouer à... Space Explorer. Space Explorer, c'est écrit là en cyrillique, en russe, car c'est un jeu russe qui va arriver en France grâce aux éditions Blam. Et les éditions Blam, c'est Monsieur Simon et Monsieur Thibault. Comment allez-vous bien tous les deux? Très bien. Ça va, voilà. Ça va bien, bien. Dans une petite vidéo précédente, Monsieur Thibault nous a expliqué les tenants et les aboutissants de Space Explorer. Voici la version anglaise, mais qui ressemblera en français aussi, puisque vous allez l'appeler Space Explorer aussi. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne dans tous les détails, vous avez la vidéo d'explication, mais si vous allez regarder la partie, ça revient à peu près au même parce que ça a l'air extrêmement simple, clair et efficace. Un petit jeu de combos, de symboles, etc. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devant moi. C'est quand même signé Yuri Zouravlev, illustré par Alexei Kot, Alina Klemenova, c'est édité par Blam, 2-4 joueurs, 12 ans, 20 à 40 minutes en gros. Tu as fait une installation, je vais poser aussi la règle par ici. J'ai ma carte machin avec mes pouvoirs. L'installation est là. Tu es le premier joueur? Bah non, c'est le dernier qui allait dans l'espace. Donc, ah, c'est oui. Simon, ouais. C'est le dernier qui a fait un truc en rapport avec l'espace. Ok, alors vas-y Simon. Vas-y. Donc, bon, ouais. Vas-y, c'est toi. On va dire que c'est lui qui est dans la Lune. Eh bien, c'est à moi. Donc, à mon tour, soit je joue une carte devant moi, soit je vais en prendre une et je vais simplement en récupérer une. Au début, il n'y a pas grand-chose à faire. Cette carte-là. Oh la vache. Et on en remet une. Non, non, c'est pas une vache, c'est un spécialiste. Ah ouais, mais il est super fort, lui. T'as donné ça au pif, hein? Ouais. Oui. C'est à moi, hein? Ouais, oui. C'est à toi. Alors pour le jouer, il me faut tout ça, putain. Et ouais, donc ah, ouais. Ah bah je pourrais la jouer. Ah non, il faut trois comme ça et trois comme c'est ça. C'est vraiment un jeu de construction de plateau. Ouais, donc je peux pas le faire tout de suite. Là, je peux absolument pas le faire tout de suite. Donc il faut que je chope un truc que je vais pouvoir jouer rapidement, en fait. Ouais. Ou que tu te sers pour défausser. Pour... Alors les pouvoirs, ça c'est… Quand tu vas récupérer un projet, tu vas piocher une carte. Ouais, d'accord, là tu me dis comme ça, c'est plus vite si je te les demande. Ça, quand tu donneras un jeton, tu vas piocher une carte. Mmh. Les petits jetons là de... Okay. Voilà. Ça, c'est deux trucs supplémentaires. Voilà. Là, il n'y en a pas. Ça, c'est le truc quand tu, voilà, quand tu mettras un spécialiste dans ton hub qui coûte 4 ou 5, tu piocheras une carte. Okay. Et lui, c'est trois machins. Ouais. Le plus facile à jouer, c'est au moment où je vais construire, c'est faire un... Après, il faut regarder les symboles qui sont là. Hein. Voilà. Avoir des petits au départ, c'est bien quand même. Hein. Ouais. Mais de toute façon, tu peux te défausser de beaucoup de cartes pour recruter des spécialistes. Donc, tu peux aussi te dire, je le prends pour pas que quelqu'un le prenne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais prendre? Tout est trop dur là. Là, il y a deux verres. Oh, c'est compliqué. Je vais prendre un truc au pif pour le moment. Je vais prendre ça. Elle a fait un jaune et un vert. C'est bien d'en avoir des trucs à deux. Hein. Bah, en oui. fait, ça t'aide à faire les projets. Ça t'aide à faire les projets. Bah, puis surtout, tu peux choisir de le mettre dans l'une ou l'autre. Je vais prendre celle-là, moi, en attendant. Voilà. Et on remet tout. On remet tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait six personnages au centre. Moi, je vais essayer de jouer. Quand t'as jamais joué, pareil, c'est chaud. Tout. Ouais, mais de toute façon, même quand t'as déjà joué. Il faut réfléchir un petit peu. Après, putain, c'est dur à poser, quoi. Au début, moi, c'est forcément un petit peu dur. Après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter un spécialiste. Je vais recruter ce spécialiste-là depuis le centre. Je peux le faire depuis le centre. Je le mets ici. Il me coûte donc deux jaunes et deux bleus clairs. Donc, je vais déjà te donner tout un jaune et un bleu clair. Okay. Il ne me reste donc plus qu'un jaune et un bleu clair à payer. Donc, je vais mettre cette carte-là au centre. Donc, je la défausse. Ça me donne deux symboles que je choisis. Ça me donne un jaune et un bleu. J'ai posé mon spécialiste. D'accord. Et du coup, il revient là, lui, celui-là. Exactement. Ok, et du coup, je pourrais le poser directement, ce qui me coûte… Il coûte 3 bleus. Mais tu as déjà 2 bleus. Il y a une histoire de réduction. Ah oui, c'est les réductions, c'est que si c'est on a… C'est que s'il y a déjà 2 bleus, il faudrait que j'ai une carte. Une compétence dans la division. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Mais, du coup, j'ai ça, donc je pourrais peut-être plutôt prendre ça que je peux poser à un moment. Mm-hmm. Parce que là, j'aurai mes 2 bleus, il manquera un rouge et un machin. Après, ça, tu les auras. Bah, si après, il fait deux compétences, si on a besoin d'un paquet ici, ça peut être intéressant. Ça, okay. On remet tout de suite ça. Il a un pouvoir, lui. Hein. Celui-là si je veux, je peux te donner un jeton pour piocher une carte. Ah, c'est bien, ça donne. Bah, ça me permet. Alors, je vais pas te donner un pioche. Ce qui est embêtant, c'est que du coup, je vais lui donner effectivement un jeton, car moi, j'ai envie de payer ça et mettre lui. Ah, peut-être pas lui. Si, lui, tant pis. Non, lui. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les images. Récupérer lui et le mettre directement là. Voilà. Donc, j'ai payé un 2. Ouais. Et je vais donner 1. Donc, c'est bon, j'ai tout payé. C'est magnifique, ça. C'est bon. Je vais récupérer ça. Oh là là, il l'a fait. Et alors, c'est bien. Ouais, c'est dingue.
Ok, lui il a les deux, il a le machin, il faudrait ça et ça. Je pourrais poser. Lui c'est quoi, lui c'est… Donc ça va être un peu spécial. Lui, tu vas, quand tu l'auras posé devant toi, ouais, au moment où tu vas remettre une carte par-dessus lui, tu vas piocher deux cartes. Ah bah, donc c'est un ça, qui c'est te fera un effet après. Écoute, je crois que je peux le jouer tout de suite. Il fait 3 points quand même, c'est bah, je vais le prendre tout de suite. Regarde, je vais le jouer là, c'est ça. Je le mets là. Voilà. Ouais. Ok, donc j'ai ces deux. Voilà. Que je te donne. Merci. J'ai un violet. Voilà. Et tu que je te donne. Et je vais défausser une carte. Voilà, je suis riche. Je vais défausser quoi? Je vais défausser ça. Moi, j'ai très envie de vous faire voir que j'arrive à faire des… Ah, mais je peux pas. Bon, alors, je vais pas le faire. Si, bah si, je vais le faire. Je vais recruter lui-même depuis ici, directement. Je vais le mettre là. Donc, vu que je le rajoute ici, ouais, dans la division rouge où il y a déjà un rouge, okay, j'ai une réduction de 1. Donc, je dois payer seulement un violet et un vert, que je paye directement comme ça, parce que je me dis que c'est bien. Ok. Voilà. Et on en remet. Et en plus de ça, quand je prends un projet, je pourrais piocher une carte. Mais je ne peux pas piocher de projet tout de suite. Eh ben moi, je vais recruter. Ben, je vais recruter lui ici pour ça et ça que je te donne. Merci. Donc j'ai tout de suite écrasé mon… Pourquoi ça et ça? Pour seulement ça. C'est pour seulement le… Il ne te donne pas le vert parce qu'il a une réduction de 1 car il en a un. À moi. Est-ce que je… Il n'y a pas de rouge, c'est dommage parce que moi j'ai pas de mordre à la réduction. Hein. Mais je pourrais. Donc c'est… je peux poser un truc à 4 en jetant mes deux cartes, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu peux aussi recruter celles qui sont dans ta main. Hein. Ouais, mais je… Non, mais voilà. C'est… Et je les mets où si j'en prends qu'une et que j'en jette deux? Il n'y a pas de souci. Il peut y en avoir plus de… Il peut y en avoir plus de 6, mais il doit y en avoir au minimum 6. Ouais, ça c'est très bien en début de partie notamment. Ouais, donc je vais prendre ça que je vais poser là. Ouais. Je vais payer le violet, le rouge. Ouais. Merci. Et je vais jouer… Je vais jeter un truc. Jeter ça. Ah, puis là, je me rends compte que… Ouais, si on essaie de maximiser les pouvoirs, ça peut prendre 12 000 années-lumière à jouer. Donc, je vais pas le faire. Si, si. Ouais, ouais, c'est un jeu que tu peux jouer comme ça à l'emporte-pièce ou alors te crasser le cul à bien réfléchir à la combo. Ah, prend un peu de temps, vous avez combien de jeux à présenter aujourd'hui? Ah, 48 normalement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux jouer pour les pouvoirs, pour bloquer les pouvoirs. Et, et comme les pouvoirs, tu vas les écraser de toute façon. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mon pouvoir, en fait, mais c'est pas grave parce que ça me donne des points. Okay, ça me donne des choses. Ah là, c'est horrible. 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 Du coup, je vais prendre cette carte-là que je vais mettre dans ma main. Et du coup, voilà, c'est bon, mon tour est fini. Il était magnifique et très rapide. Et bien, puisque c'est comme ça, je vais prendre lui. Tiens, il est pas mal. Ah, je vais le recruter. Carrément. Donc, j'ai deux de réduction, donc je dois payer juste deux bleus, et je vais défausser cette carte-là. Donc là, il y a plus de cette carte, mais ce n'est pas du tout. Ok. Si je prends L, ça me coûte deux verts. J'en ai un, j'ai un jaune, j'ai pas de rouge, mais j'ai une de réduction. Non, j'ai deux de réduction en posant, hein. C'est ça? Non, j'ai un de réduction, je réfléchis. Ah oui, c'est celle du bas. Réduction. C'est… Oui, c'est celle du bas. Ah, c'est quand tu suis la flèche. Allez, donc je suis obligé. Mmh. Oui. Du coup, c'est, moins bien. C'est un peu chaud là. Du coup, c'est moins bien. Faudrait que tu jettes deux cartes. Non, mais je vais faire autrement. J'ai pas de cartes. Oui, ceux-là, tu les as quand même avant de… Avant en de jouer recrutant. Ouais, ouais. En recrutant. Donc, tu as quand même un rouge là. Donc finalement, tu as celui-là de réduction, celui-ci qui est payé. Il faut que tu payes deux verts et un rouge. Donc finalement, avec ta carte… Ouais, mais c'est dommage de pastiller ça maintenant. J'aimerais bien en profiter pour développer à côté. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais je peux la prendre et la mettre dans ma main pour la poser à un moment donné. Exactement. C'est ce que je vais faire. Oh là là, magnifique. Non, stop, c'est bon. Ah oui, bah, on remplit que s'il manque 6 cartes. Exactement. Plutôt que de regarder ce que tu faisais, j'aurais vachement dû réfléchir à mon petit tour. Il est horrible ce jeu. Il est horrible de faut réfléchir. Bon, allez, on va jouer vite. On a dit qu'on jouait vite. Hein. C'est ça qu'on avait dit. Allez, je vais prendre celui-là. On va dire qu'on va essayer de bien jouer, mais on va pas optimiser à mort. On va essayer de bien jouer vite. Mais… Moi, je vais prendre celui-là et on en met un tout de suite. C'est à toi. Hop là. Donc, celle-là, elle va te donner un point à la fin de la partie pour chaque symbole bleu clair. Okay, okay. Même si même s'il est caché, le pouvoir sera toujours effectif à la fin de la partie. Même si… Donc, si je… ça, c'est 0 point. Ouais. Mais ça donne… Un symbole de recrutement. Ce symbole-là tout le temps. Parce que je la pose quasi gratuitement, celle-là. Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Donc, j'ai un violet et un rouge. Tu la poses quasi gratuitement, puis ça te donne quand même, tu sais, quoi… Un rouge et un violet. Avec ça, je l'ai. Après, il me faut…
Je vais manquer là, c'est con. Hein. Je manque. Donc je vais peut-être prendre ça d'abord. Parce que les fastoches, ça là, pose un coup de cul à un verre. Chouette. Faites pas circuler les symboles. Non, mais t'inquiète, c'est lui qui gagne. Je vais y aller. Promis, j'y vais. C'est parti. Now. Juste now. Ça. Je prends ça. Et je le mets où? Je le mets là. Je le mets là, ça me coûte 3 rouges. Je n'ai pas 3 rouges encore. Mais heureusement, ça c'est 2 rouges et ça c'est 1 rouge. Ouais, je tente des trucs. Moi, je vais jouer ça. Alors, j'ai un vert et un bleu clair. Donc, il me manque un bleu clair que je te donne. Parfait. Et je mets une carte au centre pour payer les 2 jaunes. Donc, j'ai joué ça. Et j'ai 3 bleu foncé et ah oui, il y a ça, putain, j'ai oublié de regarder ça moi. Donc, j'ai récupéré mon premier. J'ai oublié de regarder ça moi en fait. Depuis tout à l'heure, je me construis un truc. Bah là, t'es pas mal pour celui-là. Ouais, il me faut, le. J'ai le bleu, j'ai le jaune. Il me manque le violet. Et le violet, il y en a ici. Il y en a un tout simple là. Il non, c'est gratuit. Lui, il est gratuit quasi. Bah lui, tu peux le faire. Donc tu le poses, tu le récupères. Gratuit quasi. Bah oui, regarde, il a 2 jaunes, il les a. J'ai ça, mais attends, je regarde si j'ai pas mieux en jaune. Ah oui, non, en violet. Lui est gratuit. Lui, il est encore mieux en violet. Parce que là, j'ai un rouge. Ouais, ça te pourrait j'ai un violet, de faire celui-ci. Il me manque un rouge et j'ai un bleu. Il me manque un. Je jette une carte et j'ai ça. Oui. Bah, c'est pas mal ça. Je vais faire ça plutôt. Je vais prendre ça. Je vais la poser là. Et je vais jeter une carte de ma main. Je vais jeter quoi? Je vais jeter celle-là. Ouais, vas-y, pardon. Non, non. Non, si. Non, mais c'était, elle était là. Ah, d'accord. Okay, tout va bien. Et là, du coup, j'ai fait celle-là. Ouf, ouais, ça foulait un peu, là, Thibault. Là, je vais mettre là. Et là, du coup, j'ai des réductions plein. Bah, t'as plein de réductions. Ah. Et je regarde le reste. Après, il faut du violet. 4 violets. J'ai déjà 2. Ouais, c'est chaud. Il y a quoi ça déjà? J'ai jeté une carte au centre que je voulais poser, mais en fait, quelqu'un me l'a piqué. Quoi. Bah oui, sans doute. C'est possible, elle était bien celle-là. C'est Thibaut certainement. Ouais, bah c'est moi qui suis méchant. Je suis le plus méchant. Ah donc tu l'as fait donc. Ah bah oui, je l'ai fait. Bah oui, non, mais c'est juste parce que je suis idiot, j'aurais dû le faire le coup d'avant. C'est pas facile d'être bête. Bon, on s'habitue. Donc, hop. J'ai très envie de faire ça, mais en même temps, c'est un peu dans longtemps. Donc, je vais quand même. Oui, il te manquait juste une couleur. Ouais, en fait, si j'avais fait celle-là plutôt que de l'acheter. Ah, bah oui, mais c'est trop tard. Donc, c'est bon, à vous étant toi. Mais non, ça t'a joué là? Ouais, j'ai pris cette carte. Je l'ai repris. Ça sert à ce que vous l'ayez pas. Moi, je vais prendre ça en main. C'est à toi. À moi. Alors là. Ça c'est pas mal parce que ça vient de faire des points aussi c'est pas mal parce que le vert je l'ai pas de vert encore. Est-ce que lui je peux le poser de vert? Non, il me faut du vert pour avoir du vert. Ah, pas mal ça. Je paye un de moins. À partir du moment où je recouvre ça, je pioche 2 cartes, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc ça, je paye un de moins, donc il me faut un verre, mais je ne l'ai pas. Ouais, il va bientôt t'en donner, c'est sûr. Je vais peut-être la prendre en main en attendant. Ah, ça peut être le cas. Ça, c'est quoi ça? Tu pourras passer deux jetons recherche. Non, il me faut un verre. Oui, il me faut un verre, il manque un verre seulement. Mm. C'est con, hein? Après, tu peux flamber une carte. Non, ça est vraiment trop bien celle-là. Tu veux la garder? Oh, t'es comme ça. Elle est vraiment trop bien. Non, je vais la prendre en main, tiens. Bah moi, ce serait bien que je fasse ça. Ah bah attends, ça, je pourrais faire horriblement cher. C'est pas grave, je vais le faire. Oh mais ça serait très très génial. Ah bah je vais le faire. Allez, je recrute lui. Je sais pas encore comment. J'ai une réduction de 1. Je dois payer que du jaune. Ah, du coup, je vais pouvoir réfléchir. Tu vas jeter une carte. Bon bah, je vais jeter celle-là. Tu vois, je la prends, je la relance à chaque fois. Et puis du coup, je te donne ça. Pauvre femme, c'est Marie Curie ça, non? C'est qui? Ouais, non, c'est... Bah non, c'est sa descendante. C'est la même là. C'est Jacqueline. En fait, plus Jacqueline, les cartes sont puissantes, plus on est zoomé dans l'illustration. Plus on rentre dans le cerveau de la personne super puissante. Allez, on va aller jouer vite. On va prendre celle-là que tu n'arrêtes pas de jeter. Allez, purée, ça se trouve, je voulais la reprendre pour la rejeter plus tard. Alors moi, je vais prendre ça. Il le fait. Il faut... Non, je ne peux pas la jouer. Il manque le vert toujours.
Vert. Mais t'as trop de cartes bien dans ta main. Ouais, mais je sais, mais celle-là, elle est bien aussi. Ouais, mais c'est illurible en fait, ce jeu. Parce que t'es obligé de faire des trucs bien, puis en même temps, ah. Enfin, voilà quoi. Ça, il faut. Non, mais je vais la prendre parce que. Parce que je vais la prendre. En fait, il faudrait que je regarde un peu ce que. Il manque deux cartes. Ah, il manque une carte. Des trucs. Non, c'est vrai. Tu voudrais pas passer des symboles un peu, toi? Bah, je veux en donner peut-être. Ouais, ça serait bien, quoi. Partage un peu tes recherches. Vas-y, c'est toi qui en as. T'en as tout le tour du ventre. Est-ce que c'est utile? Ça, non. Et ça, c'est pas utile non plus. Bon, c'est embêtant, quoi, du coup. Je vais poser lui. J'ai une réduction de 2. Il faut que je paye 1, 2, 3. Ah! Je vais pas poser lui. C'était pas lui que je voulais poser, en fait. Est-ce que je voulais poser lui? Pas forcé. Je voulais d'abord prendre une carte. On a tous 4 cartes de poser, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre lui parce qu'il est un peu trop facile à faire pour vous. Bah ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, on ne passe pas les jetons, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais t'es là, tu fais le malin. Et... Bah, je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Hop, attends. Magnifique. Putain, il n'y a que du vert là. Donnez-moi du vert. Il y en a plein là. Ah non. Ok, toi. Mais t'as plein de cartes. Non. Jette-les. T'en as pas besoin. Non. À quoi elles vont besoin, te servir? J'en ai besoin. On va finir la partie, tu les auras encore dans les mains. Rouge. Violet. Il manque un vert. C'est embêtant, hein. Toujours. Je vais encore me remplir la main le temps que ça arrive. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a du... Ah, allez, je peux la jouer, elle. J'ai tout. Non, il manque le jaune. Ben, je vais jouer, elle. Ouais, mais ça me cache ça. C'est quoi son pouvoir, elle? Tu pourras, quand elle sera sur ton, dans ton hub, tu pourras la remettre dans le centre pour avoir 3 jetons de recherche que tu veux. C'est donc bien, tu vas la jouer, mais tu pourras... Et va, après, elle va repartir de là. Voilà, elle va repartir de chez toi pour revenir écoute, au centre. Je vais la jouer tout de suite. Tiens, c'est pratique d'être venu avec j'ai un de moins. Voilà. Donc, il me faut un rouge et un bleu. Et tu as ce qu'il faut. Et je les ai, sans que c'est gratuit. Ouais. Voilà, magnifique. Ça m'aide pas. Réfléchis pas, de toute façon, tu vas le rejeter. Ne réfléchis surtout pas. Je vais quand même prendre celui. Non ! J'aime beaucoup. Moi, j'aime pas, c'est trop compliqué. Vous avez découvert ce jeu comment ? Eh ben, en fait, c'est notre... On parle... Réfléchis, hein. Je ouais, non, mais t'inquiète, j'ai compris. C'est notre distributeur, en fait, BlackRock, qui s'occupe, qui a pas mal de contacts partout dans le monde par leur relation à l'export, qui nous ont proposé différents jeux. Et celui-là, on a d'abord craqué sur les illustrations. Ah, c'est magnifique. Sur le thème, sur les ces années 60, comment c'est respectueux. Et puis, on a joué, puis on a découvert un peu comme toi, un jeu hyper fluide, c'est super hyper malin. C'est un jeu qui nous parle bien. C'est très bien. Hyper fluide, hyper malin, et puis du coup, je vous écoute et je joue pas. Alors, ouais, je vais faire. Du coup, je vais arrêter de vous écouter. C'est une bonne idée. Et voilà, mais c'est pour ça en fait que je pouvais le faire tout à l'heure. Je suis idiot. Je vais jouer lui. J'ai une réduction de 2. Pardon. J'ai une réduction de 2. J'ai ça et ça, et il me reste plus qu'un rouge que je donne. Ouais. Et là, on peut vraiment pas dire que c'est moi qui les garde. Simon, là, il a pas envie de me les donner. Moi, je joue avec 3 jetons tout à l'heure. Hein. Je joue ça, donc j'ai déjà ces deux-là. Je te donne un verre. J'en ai besoin depuis 10 tours. Tu vois. Je vais bientôt avoir un verre, moi, je pense. Et je vais défausser cette carte-là. C'est à toi. Ok. Alors, du coup, j'ai un verre maintenant. J'ai un verre, mais il m'en faut deux, quoi. C'est ça qui est moche. Mais je vais faire autrement. On avait dit j'ai un verre et un bleu. Il me faut un rouge. Non, j'ai un bleu et... Pas de violet. Alors, ce que je vais faire. Ça, c'est 3 jetons, ça, hein, si je la vire. Tu la mets au centre et tu as 3 jetons de ton choix. Et du coup, ça sert à apparaître ? Oui. Donc, mais pas dans ce recrutement-là. D'accord. Alors, si je fais c'est ça, puissant. Je vais prendre. Pas dans ce recrutement-là. Donc, je prends quoi ? Je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Donc, je veux un vert. Un rouge et un violet. Et le bleu, je l'ai. Attention, tu as ça et ça. Non, il m'a dit que j'ai défaussé. Elle était par-dessus, celle-là. Ah, d'accord. Autant pour moi. Ok. Tu peux...
C'est le pouvoir de la carte. Dire. Ah, ok, oui. J'ai utilisé le pouvoir de la carte qui est une défaut, c'est j'ai trois jetons de couleur. Il m'a dit que ça ne rentrait pas. Bah oui, du coup, parce qu'elle n'était pas visible en fait. Ok. Bien. Bon, je vais peut-être finir par. Et du coup, si je. Ah, d'ailleurs, je ne l'avais peut-être pas mis au bon endroit parce que je l'avais mis là. Si, c'est là. C'est là. Ça, si je le recouvre, je pioche deux cartes. On est d'accord. Il faut que je fasse ça. Je joue n'importe comment. Mais c'est pas grave. Alors, je vais jouer lui. Par contre, c'est elle que tu n'as pas mis au bon endroit là. Ah oui, elle est là. Ah, mais voilà, ah, c'était mon objectif en fait. C'est ça. Je suis con. Parce que je la mets là. Et là, tu pioches. Et là, je pioche deux cartes. Je savais bien que je. Voilà. Et d'accord, j'ai un truc de moins en fait, ouais, en la mettant là. C'est ça. Donc je récupère. J'avais pas besoin de 3, c'est pas grave. En fait, c'est celle au lieu d'être là. Ouais, elle est là. Et j'ai un de moins, donc en fait, le bleu, j'avais pas à le payer, donc ça me sert à rien. Mais là, j'ai deux cartes. C'est ça, c'est voilà, bien. C'est ça quand j'avais réfléchi, je voulais les cartes à la main. Ouais, je comprends pourquoi t'as besoin de cartes. Moi, j'aimerais bien en avoir des cartes. Allez, moi, je vais faire ça. Du coup, c'est bête parce que je bloque ça, mais tant pis. Je vais payer 2. Soit comme ça, soit avec ça. Au bout d'un moment, celle-là, si je la donne... Non, c'est embêtant que je la donne. Je vais la garder, du coup. Je vais plutôt donner... Ouais, enfin, tu me diras, ça change rien. Je vais la mettre, là. Du coup, c'est payé. Et, enfin, je réussis à faire ceci. Car grosse, j'ai celle-là. 1, 1, 2, 3... Absolument pas. Si, 4, là. Et 1, 2, 3, c'est bon. Ouf. Et ben moi, je vais piocher ça. C'est à toi. 2. Il me manque tout ça, moi. Hein. Est-ce qu'il y a un truc à... Donc, je pose ça. Celle-là, je la joue. Excusez-moi. Donc, le jaune, tiens. Merci. Le bleu clair, il est là. Et le rouge, je te le donne. Ah, ben enfin, je vais pouvoir jouer. La chance qu'il y a. Alors, attends. Ça, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a là qui donne ? Il y a que des trucs simples, c'est la merde. Donc je vais jouer les trucs de ma main. Attends, il y a des trucs puissants là. Ça, c'est quoi ça ? Ça, pour 3 symboles identiques, ouais. Tu gagneras un point. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec 3 jaunes ? Beaucoup de jaunes, il y a lui, mais il manque du vert. Lui, j'ai 3 jaunes, il manquera un bleu. Mais j'ai un peu de temps. Je vais plutôt faire ça. Faire. Ça c'est bien joué. Ouais, non, c'est auto-congratulé. Je suis bon. D'habitude, je suis pas très bien. Écoute, c'est quoi ce pouvoir ? Lequel ? Si tu veux, tu peux donner deux symboles de token à ton voisin et ça te permettra d'avoir le symbole de ton choix pour prendre un projet à la fin du tour. Donc j'ai un vert, un rouge, un bleu. Tiens. Merci. De rien. En plus, je crois que ça marche. Et donc, si tu passes 2 jetons, tu peux choisir peut-être de récupérer. Bon, si je passe 2 jetons, tout de suite là maintenant. Non, il me manque encore. Ça non, mais je sais pas. À un moment donné, non, 2 jetons, ça donne une couleur. Une couleur pour prendre un projet. À la fin. Mais là, attends, je regarde ce que j'ai. Je l'ai. Oui, je l'ai en plus, puisque j'ai 4 là. J'ai 2. Non, c'est un jeton. Oui, c'est un seul. Donc, il faut un tour encore. Mais il faut que tu poses un bleu de plus. T'inquiète. je m'inquiète pas. Non, j'ai un bleu. Ça, c'est un bleu, j'ai un jaune, il me manque 2 violets. Ouais. Donc, il faut que j'ai un violet quelque part. Voilà. Bon, allez, moi je vais prendre lui de gratos parce que j'ai 1, 2, 3 de moins et puis j'en ai un là du violet. Moi je vais prendre lui. Donc lui j'ai 3 de réduction, ça, et je te passe un rouge. C'est bien ça. Oh là là. Voilà. C'est moi qui stocke maintenant. C'est ça. Sauf que c'est moins bien, c'est que celui-là je te le prends. Ah merde. Puisque j'ai les 4 bleus foncés. Ok. Alors, je vais faire autrement. J'aurais peut-être dû viser les points plutôt que de viser les cartes. Bah, mets-moi mes cartes, elle n'a pas beaucoup de points. Donc là, dès que quelqu'un prend le dernier projet, celui qui fait le plus de points. Il faut que je mette un jaune et un bleu, là. Un jaune et un bleu. Je ne suis pas bien parti pour ce projet. Est-ce qu'il y a du jaune ici ? Il n'y a pas de jaune ici. Il y a le bleu qui est là. Le bleu qui est là, il me cache ça, c'est ça qui est con. Oh, comme t'es bien parti. Toi. Ouais, mais si tu termines, tu termines. Ouais, mais je peux pas terminer là parce qu'il va me manquer un truc. Ah, il va finir. J'ai deux, et il me manquera un truc. Oui, mais t'as ton pouvoir vert. T'as un mais jaune dans ta main. Oui, mais avec celui-là, ça sera bon. Attends, si je fais celui-là, ça me fait 2 bleus. Ah oui, t'en manques 3. Non, je crois que t'en manquais 2, mais en fait, t'en manques 3. Ça va, il faut encore un tour. Il faut encore un tour. Et donc, toi, t'es pas mal, toi, parce qu'il te faut. Non, t'es mal barré. Il me manque un jaune, moi. Pour le faire ? Pour le faire, il me manque un jaune. Et il n'y en a pas pour l'instant. Donc, parce que ça m'embête de casser ça. Et ça, il ne faut pas que je le recouvre tout de suite. Donc, il faut que je pose un jaune.
Le jaune, ça me cache ça. Je ne suis pas bien là. Alors attends. En vert. Tu me diras non, parce que ça ne va pas forcément dans les. Ça, c'est un point par carte jaune. C'est de la merde. J'ai pas de jaune. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est si je fais un truc, je pioche des cartes, mais on s'en fout. Je vais jeter des cartes de ma main pour faire. Hein. Donc, il me faut un bleu. Lui, il fait quoi comme pouvoir? Tu pourras passer deux jetons à ton voisin pour piocher une carte, okay, et la jouer. Je crois que je vais faire lui. Donc, j'ai un truc de moins ici. Ouais. C'est ça? Ouais. Ensuite, je vais faire deux rouges. Non, non, t'en as un là. Ah oui, j'ai un rouge, donc il me faut un rouge. Voilà. Non, non, puis, il me faut trois verts, c'est ça? Ouais. Et pour faire trois verts, je vais jeter des cartes. Ouais, bah, du coup, tu vas pas... Et du coup, tu donnes pas ton rouge. Puisque... Ah oui, ouais, exactement. Donc, pour jeter deux cartes, je vais me débarrasser d'elle. Hein. Et non, puis... des belles, j'ai demandé. Et puis, il va me manquer quoi là? Là, j'ai mes deux bleus. J'ai que de la merde en fait. Et donc, celui-là va te permettre pour deux jetons recherche de jouer un spécialiste de ta main. Enfin, pour, juste ah, pour maintenant, deux. Maintenant, là, je pourrais faire ça maintenant. Non, puisque c'est une action, donc ça prendrait ah, ça, ton tour. Ok, mais... je vais jeter ça. Non, les mais pouvoirs, c'est... Ah, c'est une action. As an action. Tiens. Voilà. Oh. Et je peux en déclencher deux? Oui, oui, oui. Okay. En fait, tu peux déplacer ah, un pouvoir action okay. Et tous les autres pouvoirs. Ok, donc, okay. Bon, bah, moi, j'ai pas envie de t'essayer ça. T'as une carte dans ta main. Oui, j'ai une carte dans ma main. Donc, toi, t'as envie de faire ça. C'est là que ça chauffe. Oui, c'est un jeu, moi tu me fais pas jouer en 30 minutes. Hein. Sur, si là, on est bien, là. Là, j'ai pas regardé où t'en étais, donc si tu veux, je vais. Il me manque en toujours fait, lui, un jaune. Il manque juste un jaune, donc c'est pour ça qu'il faudrait pas que je lui laisse ça. Le problème, c'est que si je lui. Enfin, moi, j'en ai que faire. Ouais, d'accord. Non, parce qu'en plus, je l'aime pas. Peste, je l'ai dit. En plus, est-ce qu'il peut le faire déjà? Déjà, on va se poser la question. Il a moins un. Il a un rouge, un vert. Il jette une carte, il peut le faire. Donc en fait, il peut le faire. Donc voilà, pas le choix, je n'ai pas, le choix. Non, pas voilà, le choix. Je n'ai pas de choix. Sinon, ça met fin à la partie. Et voilà, et j'ai pas du tout envie. Bon, par contre, je voulais celui-là, moi. Désolé. Bah oui, mais c'est 4 points, donc j'ai pris le plus gros qu'il y avait sur la table. Ça que je le voulais. Alors, moi, est-ce que je peux finir ou pas? Il me faudrait, donc j'ai dit, il me faudrait un vert. Non, il me faudrait un jaune. Parce que vert, si je le couvre, je perds ça. Oui. Oui. Et là, il n'y a pas de jaune. Tu vois, tu l'as pris, tu nous empêches tous les deux de gagner. Oui, là, ça me permet de... Jouer celui que tu as dans ta main pour deux symboles rochers. Ah, mais c'est un bleu, donc je m'en fous, quoi. Ça fait peut-être des points. Hein. Non, c'est pas des points. C'est pas des points. Est-ce que je peux faire celui-là, là? Ah, mais j'ai si, regarde, ça peut être intéressant pour toi, parce que ça te ferait un point de plus s'il a un symbole bleu. Ouais, ouais, non, il n'a pas de symbole bleu. S'il a un symbole bleu. Il a un... Ouais, mais si bah, je le cache, on s'en fout. Oui, les points, ce sera ah, bon. Oui, ceux-là, c'est toujours... C'est à la fin de partie, en fait. Non, je peux pas le jouer en plus. Si, ah si, c'est... J'ai... Non, je le joue là, donc c'est 2 de moins, donc il faudra un violet que j'ai. Je peux le poser. Et là, c'est... Pour... Mais du coup, j'ai pas ça. Bah, il faudrait que je cache ça. Tu les donnes. Je pose ça. Exactement. Et ça me fait un point de plus. Payes, tu le joues sans payer, c'est ça? Oui, oui, tu payes pour... Ben, tu ah joues, oui, je le joue sans payer. Voilà, en fait, pour tu, deux tu trucs. Tu donnes deux et tu joues. Ben, je, autant que je prenne ça dans non, ma main et j'attends un tour. Oui, oui, par exemple. Parce que tu vas pas finir, là, à moins que je te fasse apparaître un jaune, mais... Mais j'ai pas le choix, il vaut mieux lui à 4 hein. Ouais, et de ne pas jouer gratuitement, donc j'ai le temps. Je fais ça. Cela me gêne parce que du coup, s'il y a un jaune, je vais devoir le prendre. Ah, il n'y a pas de jaune. Mais en même temps, il ne m'intéresse pas. Donc. Je préfère jouer lui de ma main gratos, quoi. Bon, j'ai très envie de faire un truc. Pour 4 points, c'est points. Pas mal. 4 moi, j'ai points. Envie de faire des points, non? C'est quoi ce symbole d'ailleurs? C'est quoi son pouvoir à lui? C'est un symbole recherche de ton choix. C'est ce... ouais, ah, recherche de mon choix, c'est la couleur que je veux. C'est bon, ça. Bah, après, il faut le poser. Oui, bah, je peux le poser gratuitement, alors m'embête pas. Ah, bon, d'accord. Ah, t'es comme ça. Bah, c'est embêtant. Oui, mais c'est un vert, c'est con. C'est très embêtant. Ouais, mais c'est un vert, mais c'est 3 points. Et je peux le faire à la fin de mon tour ou au début du tour ou quand est-ce que je fais ça? C'est au moment où tu prends un projet, tu dis j'ai ça. Ah, oui, donc il faut qu'il soit. Et okay. Je donne ah, deux. Non, un peu, je ne peux pas le poser tout de suite. C'est pas bien. Parce que c'est un vert, donc il va me le cacher, ce truc. Ah, oui. 3 points. Bon, déjà, je vais faire ça. C'est-à-dire, je vais faire apparaître. Une carte. C'est rare ça, hein, les trucs symboles avec des symboles qui sont pas dans la couleur. Hein. Ceux-là, oui. Sont rares. Hein. Ouais, ils sont assez rares. Oh, comme c'est. Non, bah, on s'en fout en fait. T'as fait quoi là? Non, il a mis une carte avec j'ai son fait, pouvoir. Grâce à ça, je fais apparaître une carte. D'accord, et ça te va pas. En plus. Mais du coup, elle est un peu naze. Enfin, elle fait 2 points. Quoi. C'est pas terrible. Quoi. J'aimerais bien faire des points. J'ai même pas lu ça. 57. Non, mais réfléchis pas trop. Fais juste le plus de points que tu peux. Ouais, mais là, c'est clair. Du coup, j'essaye.
J'essaye. Tu finis, c'est ça que tu veux dire? Non. Mais le problème, c'est que non, si, il je... Que jaune si je. Oui, mais le problème, c'est que si je donne peux... ça. T'as une carte jaune à la main? Oui. Tu l'as eu où? Mais il l'avait déjà. Je l'avais vu, déjà. Je pense. Ah, d'accord. Et pourquoi tu l'as pas posé à ton parce que ah, tu ah oui, il me manquait la carte. Du coup, pof. Je te donne quand même 4 points parce qu'il me manque un tour. Heureusement encore. C'est pour ça que je l'ai prise. Bah ouais, non, mais tu sais, si jamais je peux pas finir, au moins j'ai 4 points, quoi. Ça fait un différentiel. Ah, bah clairement. Celle-là, je. Ça va être chaud du cul. Je peux la poser. Je peux pas la poser. Je ne peux pas. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, ça me fait un point. C'est nul, mais genre nul à chier. Bah écoute, cette carte était nulle finalement. C'est encore la plus intéressante pour moi. Du coup, ça me fait. J'ai une réduction de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je paye un jaune. Je ne peux pas. Si, voilà. Bon. Magnifique, magnifique. Moi, je paye ça en te donnant ce jeton-là. Voilà. Et en mettant ça à la fin. Ça fait pas de points. Et je finis ce jeton parce que j'ai 2, 2, 2 et 2. Comme tu étais le premier joueur, j'ai le droit de jouer. Tout le monde rejoue un tour. Donc, est-ce que je peux jouer ça sans rien défausser? Non, autant la jouer en claquant deux trucs. Hein. Oui. C'est moins cher que de te donner des machins. Ouais. Donc, j'ai un de réduction. Non, on s'en fout, elle est gratos, je fais ça. Ouais, et tu lui donnes Non, c'est ici. Ouais, c'est avec ce pouvoir-là. Avec ce pouvoir-là, je jette deux trucs. Et tu lui donnes. Je vais te donner ça et ça. Tu en as plein, donc ça ne te sert à rien. D'accord. Voilà. Et tu les mets. Et tu je mets ça. Ici. Dans la division. C'est très probable que voilà. Ça ne sert à rien, effectivement. Cela m'ennuie, cela m'escagasse. Ah, flûte. Tu vois, c'est dommage. J'ai oublié de faire mon pouvoir, là. J'ai posé un bonhomme de 5 et du coup, je pioche une carte. Vas-y, voilà, prends-la ta carte. Prends-la, s'il n'y a que ça. Oh, merci, les gars. Ouah. C'est pas... C'est nul. Et en plus, je lui donne des jetons, là. C'est dommage. Ah non, ça, c'est des jetons. Non, c'était pour les trucs ici. Et finalement, je ne fais aucun point parce que je n'ai pas. Donc, je vais faire 8, plein de points. 10, plein de points, c'est 14, ça, c'est 3 points. C'est plus 16, de plein de points que je peux faire. 19, je peux pas la poser. Mais si, je 21, peux la poser. J'ai une carte et plus tout plein de trucs. J'ai... Oh, regarde, je peux même la claquer de base. Tiens, vas-y, prends-les. Tiens. Et c'est fini. Et bim. Ah non, je vais même la mettre dans la bonne division. C'est mieux, ouais. Je crois que j'ai 21. Donc, il suffit de compter les spécialistes, okay, les étoiles et les projets. 4 et 4, 8, 10, 14... 16, 19, voilà. 20, 21. Et toi? Eh bien, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et 12, 23. Plus, 10 et 12, 23. Ouf, voilà. 22. 22, plus 2 points par projet. Tu nous défonces. Et toi? 22. T'as 22 quand même? Ouais, j'ai 22. Lui, il a beaucoup de spécialistes. 10, ah oui, c'est ça. Et ok. Voilà, enfin, 10, 5, 10 et 22. Bon, ben voilà, je me suis fait défoncer. Hein. Ben, c'était ma première hein, en même c'est temps. C'est normal. Hein. Bon. Ok, et eh bien voilà, vous avez découvert comment fonctionnait Space Explorer. Je rappelle que ça, c'est la boîte russe, car c'est un jeu qui nous vient de Russie. C'est signé Yuri Zouravlev, illustré par Alexei Kot et Alina Klemenova. C'est chez Blam. Enfin, ça va être chez Blam, tout début 2019. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de quoi? 12 ans, 10 ans? 12 ans, ouais, 12 ans. Ça coûtera moins de 30 euros? 22 euros. Voilà. Si vous aimez les jeux de gestion de cartes et les belles illustrations, c'est fait pour vous, sinon passez votre chemin. Voilà. En tout cas, c'est fait pour moi. Je trouve les illustrations magnifiques et j'aime bien la manipulation de ces cartes. C'est très sympathique. C'est... Merci à vous d'être venus jusque-là. Merci beaucoup. On va regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire Jenny Wright.